Bonjour à tous, je suis Réalis Aujourd'hui 3 pour un nouveau fan game de Pokémon qui m'a l'air ma foi très intéressant. Pokémon Unsourced Red Edition, donc en gros ça doit être une version non censurée. Préparez-vous à voir des jeux de mots dégueulasses, des blagues dégueulasses, des choses horribles. Si vous n'êtes pas majeur, quittez cette vidéo tout de suite. Je sais tout cependant que vous ne le ferez pas, tant pis pour vous. C'est parti. Alors, ah, j'ai commencé une partie. Waouh, mais ça date un petit peu. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai commencé cette partie, je dois l'avouer. Cependant, est-ce que je peux régler les contrôles? Non, je vais me faire foutre. Très bien. Je ne sais pas quand est-ce que j'ai joué à ce jeu d'ailleurs. Véridique. Bon, tant pis. New game. Un fan game Pokémon fait par Save quelque chose. Créé avec RPG Maker XP et Pokémon Essential. Les musiques sont faites par Junichi Masuda, Gonenana, Remix, etc. par d'autres personnes. EKTB. Graphique de Game Freaks, évidemment, Valtari et d'autres. Pokémon, version non censurée. Avec tout ce qui va avec. 10 ans après les événements de Pokémon Or, Argent et Cristal. Pressez C pour continuer. Oh bonjour, désolé de t'avoir fait attendre. Bienvenue dans le monde de... Putain, j'ai aucune idée de combien de fois j'ai essayé de dire cette même merde avant. Et encore, combien de fois j'ai dit cette merde encore et encore. Mon nom, tu connais pas mon nom. Est-ce que tu es con? C'est Oak bien sûr, mon nom est Oak. Tout le monde m'appelle pour le prof Pokémon. Réponds si tu as besoin d'aide ou va te faire foutre. Je vous avais dit que c'était violent. Ce monde est habité par des putains de connards appelés Pokémon. Le peuple et le Pokémon vivent ensemble pour se supporter entre eux. Les gens aiment jouer avec des Pokémon, d'autres aiment les regarder et certains aiment les faire combattre. Ah, encore une fois dire cette même merde. Très bien, les Pokémon relèvent de nombreux mystères à résoudre, mais je n'abandonne pas, du tout pour eux. C'est pourquoi j'étudie les Pokémon chaque jour. Ma traduction est dégueulasse. Es-tu un homme ou une fille? A boy. So, quel âge as-tu? Oublie. Bon, dis-moi quel est ton nom stupide. Ouais, là alors, petite blague dégueulasse. En fait, là, je vais prendre une petite pause de suite. En gros, lorsque vous choisissez le Pokémon, je pense que tout le monde le sait, c'est soit garçon, soit fille. Sauf que là, ils ont rajouté la blague, quel âge as-tu? Je vais pas vous expliquer pourquoi, parce que tout le monde, au moins une fois, a pensé à cette blague comme quoi le fait d'être un garçon ou une fille signifiait que le professeur était une personne peu scrupuleuse. Voilà, voilà. Enfin bon, je me nomme... putain, allez, vas-y, je vais me nommer L. Je vais juste prendre L. Ok, j'ai trouvé le bouton B. Cette qui? Là. Tu es donc L. L, es-tu prêt? Ton histoire stupide va commencer. Non, s'il te plaît, va te faire foutre. Voilà. Alors, je vais quand même save un coup. Oui. Attention! Il y a une autre save différente que tu t'apprêtes à écraser. Si tu sais maintenant, tu perdras tout. Est-ce que tu es sûr? Merde, j'ai fait non. Oui. Yes. J'ai pas compris pourquoi fallait qu'il y avait des dildos. Je ne vous explique pas ce qu'est un dildo. Allez chercher quelque part.
Alors, went through item, prendre la potion. Évidemment, toujours prendre la potion. Bon, par contre, le loop de 6 secondes de musique, c'est lourd. Bonjour, mon petit. Le prof Hawk te cherche. Il est un peu en gris. I wonder why. Je ne sais pas ce que ça veut dire, par contre. Je ne sais pas pourquoi. Mallet Town. LOL. Alors, par contre, le jeu rame un tout petit peu. Je ne m'explique pas pourquoi. Finalement, j'ai dû attendre assez longtemps pour que tu viennes. Choisis un Pokémon et commence avec lui. Ou bien tu peux te décider pour être un vrai entraîneur. Bien. C'est rapide, hein. Alors, Bulbizarre, non. Arrête de gaspiller mon temps et choisis un putain de Pokémon. Quoique si, je vais prendre Bulbizarre pour un choix stratégique. No. Tu as fait ton choix, Bulbizarre? Ok. Bien, prends ça. Maintenant, ça. Cette pièce de merde ne peut afficher les constructions sur ta carte. Maintenant, quitte ce putain d'endroit et commence ton aventure, stupide. Eh, salut, grand-père. Ah, elle. Pourquoi tu étais si long? Prends Pokémon, putain. Bien sûr, grand-père. Je vais prendre celui-là. Ce Pokémon a l'air plus fort que le tien, elle. Pourquoi es-tu si... Pourquoi ne parles-tu pas? Est-ce que tu es jaloux? Tu ne dois pas vraiment te souvenir de mon nom. It'd be quite some time since we'll. Ça doit faire un moment que nous ne sommes pas rencontrés, n'est-ce pas? On va l'appeler Gary, comme dans la version anglaise. Gary, c'est ça! Je suis Gary Motherfucking Hawk! Bien, grand-père. See you later. A plus. Voilà, c'est violent. Et elle, est-ce que tu as entendu parler des points d'entraînement? Non. Tu as des points d'entraînement si tu fais toutes sortes de choses. Si tu combats des entraîneurs, si tu vas à la gym, si tu trouves des Pokéballs cachés, que tu fais des quêtes. Recherche, reach a team, please get a... Ok. Go to Foxia Wood. Ouais, les noms aussi sont un petit peu dégueulasses. They should be... Ouais. Il y a un vieil homme qui pourra t'aider là-bas. Parle-lui et il te donnera quelque chose si tu l'aides à sa journée. C'est un peu violent les noms. Ok. Des hommes qui ont bu. Ouais. Alors le jeu rame par contre, je ne sais pas pourquoi. C'est un peu dommage. Route 1. Hey, est-ce que tu dois faire attention lorsque tu marches dans ces herbes? Des Pokémon sauvages peuvent se taire ici, peuvent t'attaquer. Totalement au pif. Il y a une baie. Il y a deux BP chats. Bon, ça c'est bon. Voilà, là c'est tranquille. On va parler aux gens quand même. Hey, est-ce que tu veux 3 Pokéballs gratuites? Tu es supposé utiliser des Pokéballs pour attraper des Pokémon. Pour les utiliser, simplement ouvrir tes objets dans le menu. Tu sélectionner les Pokéballs dans la section Pokéball et utiliser cette balle. So, tu veux des Pokéballs gratuites? Ouais. Tu obtiens des Pokéballs. C'est parti. Ça ramouille un petit peu. Je ne sais pas pourquoi. Ouah. Ouah là 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 là. Ça rame vraiment beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Alors, un Rokul. Je vais run parce que c'est la violence sinon. Je trouve une potion. Ouais. Ça rame vraiment beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Je dirais qu'on leur dit c'est de la merde.
Alors, hé gamin, les Pokéballs peuvent être à plusieurs places. Certains contiennent des... Non. Il y a des Pokéballs à certains endroits. Certains contiennent des items incroyables. Ne me dis pas que tu savais ça parce que sinon ma femme is Warless. Je ne sais pas ce que c'est Warless par contre. Faxia City, bordel de merde. Alors, ils me disent d'aller voir un homme. C'est un centre Pokémon, tu peux aller ici pour restaurer la vie de tes Pokémon. Si tu es hors combat, tu seras amené ici au dernier que tu auras visité. Alors, je vais quand même aller chercher ce vieil homme. Ça, ça a la gouille de fou. Excusez-moi, mon nom est Monsieur Combat. Monsieur, ceci est ton premier... ta première venue à la maison des combats, je vois. Bien, tu as besoin d'un Boulder Combat, je ne sais pas. D'un badge pour entrer. Combat Brook et à Anustar City, putain de merde, pour l'avoir. Je vais pas vous traduire les noms. Hein, votre notion d'anglais, je pense, est suffisamment élevée. Non. Me disent d'aller voir un homme, un vieil homme. Je cherche un vieil homme. Oh, une baie. Enfin, des baies pêchants. Oran, 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 c'est des baies Oran. C'est bon, j'ai rien dit. Ouais. Je pense que je me prends vraiment beaucoup de place. Ou alors, je ne sais pas quoi faire. Pile, pile, où ? Je suis désolé, mais nous sommes busy right now. Je suis extrêmement occupé maintenant. Parle-moi plus tard quand tu auras quelques badges. D'accord. Il y avait un pot par terre, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je suis désolé, mais Misty n'est pas là. Elle est en train de pêcher sur la route 9. Mais je... Mais des hommes des vieux hommes ayant trop bu bloquent le passage. Reviens me voir quand tu quand ce sera réglé. Ok. Putain, il y a une Pokéball qu'on peut pas attraper là-bas. Savais-tu que le quartier de la Ligue Pokémon est localisé dans les îles Renku? Je m'en fous un peu, vieux. Je vais aller voir un vieil homme perso, moi. Ah mais non, dans la forêt. Dans la forêt, c'est ça le truc. J'adore regarder ces films tellement bons. Just and the Mommy and Daddy. Juste quand papa et maman les regardent. What the f... Je vais pas vous décrire ce qu'elles regardent, n'est-ce pas? Nous sommes dans une version non censurée. Il y avait un pédobire à l'écran. L'écran du début. Je vais pas vous faire un dessin. Wait. Ah, le premier combat. Par contre, c'est au ralenti. Je suis désolé. C'est dégueulasse. Et trop du cul. Regarde ce que le professeur m'a donné comme Pokémon. C'est le mien maintenant. Alors, you can barely make your Pokémon move. C'est l'heure du fight. Alors peut-être parce que je recorde que ça rame un peu. Je pense que c'est ça. Ouah, c'est trop bien fait, sauf que c'est ralenti, c'est dégueulasse. Charmander. Fight, attaque, tacle. Rugissement, mon attaque baisse. Grow, stretch. Fuck it. Attaque baisse. Voilà. Rugissement, attaque qui baisse. Bon, deux coups, c'est fini. C'était intense. Level up. C'était de la chance, je pense. J'ai gagné 64. Il n'y a pas moyen.
Tu ne peux pas être meilleur que moi. Je vais entraîner mon Pokémon. Et je vais te faire payer pour ça. Je vais aller à la salle de gym de Fuxia City. Ah non, la gym de Fuxia City est fermée. Je m'en vais donc dans la forêt et entraîner mon Bulbizarre. Ça rame du cul, c'est dégueulasse. J'ai quand même une notion d'anglais assez bonne, je trouve. Bon, bah, nous aussi, on va aller voir ce vieil homme. Parce qu'il y a un vieil homme. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Bon, blablabla, yes. Il y a quand même des choses où ils ont fait l'effort de pas mettre trop de conneries. Mais il y a des choses quand même. Je save quand même. Pokédex 1 sur 3, ok. J'ai 525 points d'entraînement. Waouh, ça va trop vite quoi. Alors attention, ça va être la lenteur. Ouah, c'était lent. Combat obligatoire? Non, je vais quand même lui parler. Il y a une Pokéball. Je cherche mon Pokémon. Je cherche à ce que mon Pokémon devienne puissant. Donc je regarde à travers. Donc je marche à travers les herbes. I shouldn't have done that because now I can find anymore. Je vais arrêter parce que maintenant je ne trouve plus rien. Et c'est le combat contre un Rattata. Run, 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 run. Ça lagouille tellement fort. Ok. Au moins c'est clair. Je pense que c'était un combat. Road 3. Là je pense qu'il devrait y avoir des combats dans pas longtemps. Je ne traduirai pas. Vous avez tous très bien compris. Combat, combat. Cet arbre à baie, le mien. C'est un scout avec deux Pokémon. Qui utilise un Rattata niveau 2 à peine capturé, je pense. Je souffre. Aïe aïe aïe. Voilà. Ah Pikachu. Il ne me semble pas que les attaques électriques soient efficaces contre plantes. Faudrait que je trouve un Pikachu d'ailleurs. Ou un Pokémon haut. Ah, Fouelian. Parfait. Bien, bien, bien. C'est donc le mien. Combattre pour deux baies. C'est nouveau, j'ai envie de dire. Je vais quand même aller me promener dans les autres herbes, c'est bon jamais. S'il y a un Pokémon intéressant à capturer. Bon, ça me fait chier. Ah, mais il y a un autre combat là. Bah, si je meurs, tant pis, hein. Voilà. Ça va être le décès. Un Chepiflore. Ouais, vu que ça sert à rien une attaque plante sur un plante, autant attaquer normalement. Belle prout, encore.
Ça sert à rien, gars, arrête. Tu te fais du mal. Voilà, c'était... Je l'avais prévenu. Level up encore. Bon, est-ce que je vais pouvoir accéder maintenant à des herbes? Encore. What the? Qu'est-ce que... What? Une porte. Ah, j'ai gagné, ça y est, j'ai gagné 1000 points. D'accord. Bon, alors, donc, les points d'entraînement, ça sert donc... J'ai envie de dire à rien, mais presque. J'ai entendu dire qu'il était vraiment touchant et très génial. Oui, madame. Oui, madame, oui, madame. C'est exact. Exactement. Ouais, c'est le bordel, là. Bonjour, monsieur. Ok. Ok. Le combat. Aspico. Aspico, Aspico. Non. Non, pas la peine. Un autre combat. Un roucoul. On combat en moins de 30 secondes, c'est bien ça. Ah, comment il s'appelle? Ah, je sais plus. Ah, je sais plus, ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à cette génération de Pokémon. Ah, je ne sais plus comment il s'appelait. J'espère que c'est pas un mal pour moi. Là, je sais pas où aller. À moins de me prendre un combat, je sais pas où aller. Enfin, je pense que je sais où je vais aller. Après, j'ai arrêté, mais vous voyez l'idée. Je prends. Je prends, je prends. Vampigraine. Ah, c'était ça, c'est pas Foilienne donc. Ok. Fin de choc. Ah, je suis paralysé, putain. Je vais quand même essayer de l'attraper là. Quatre Pokéballs. Use. 2, 3, capturé. Non. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est peut-être donner une potion au Pikachu capturé et le mettre à combattre pour aller à l'est.
potion use to Pikachu qui a 18 points de vie, putain. Switch là. Non, tu m'as pas vu, j'existe pas. Je me suis perdu à cause d'un gars qui s'appelait Gary. Mais je suis sûr que je peux te battre. Ah, c'est j'ai perdu, d'accord. Enfin, je me suis perdu. Un cri d'acier. Waouh, le combat le plus épique du monde, les mecs. Je pense que c'est un crise acier capturé sur le vif parce que crise acier au cocon fort, la seule attaque du monde que ces personnages ont, c'est armure. Ça sert à rien d'avoir que armure. Voilà, il est décédé. 145 d'XP pour ça. Oh, tant mieux, hein. Nope. Voilà, toi aussi tu es décédé. 130 XP, bah voilà, deux level up, allez, vas-y. Tranquille. Pourquoi je perds tout le temps? Parce que t'as une équipe de merde. Voilà. Ah, faut que j'aille encore en bas. En haut, je sais qu'on confond le haut et le bas maintenant. Je vais continuer à aller en haut plutôt. Ah, je peux pas passer. Ok. Obligé de passer par là. Oui. 4 pailles. 4 pailles. Qu'est-ce que c'est déjà? Ah oui. Un aspicot. Un aspicot. Des merdes. Voilà, two shot, c'est trop bien. Voilà. So kick ass, exactement, je t'ai botté le cul. Ah, une maison, ça alors. Non, non, reviens, c'est pas ça. Confondre X et C, c'est trop bien. Attends, c'est quoi le bout de proposition qui me... Ah, c'est vrai qu'on peut mettre du fertilisant. Oh, y a une Pokéball là. Un antidote. Je prends, c'est toujours ça. Alors, Kachak. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ok, alors. Mon nom est Mr. Cat. Quel est ton nom, jeune homme? Elle, c'est cela? Bien, c'est très bien. Bien, très bien. Oh, pardon. Tu veux voir le un mouvement caché, coupé bien sûr. Oui, couper les buissons, couper les Pokémon, les tuer tous, couper. Oh well, il est là. Tu es un entraîneur, donc tu as entendu parler du tunnel. Oui. Tristement, j'avais une autre CS appelée Flash. Tu vois, ne t'en fais pas. Tout ce que tu all you need to do is to go. Tout ce que tu dois faire est aller à New Star City, juste à l'ouest d'ici. Trouve un homme appelé Kurt. Tout le monde pourra t'aider. Est-ce que tu l'as? Non. Dois-je te dire ça encore une fois? Bien. Je suis fatigué de te parler maintenant. D'accord, ok, donc ça servait juste à ça. Donc j'ai la première, c'était au bout de 30 minutes.
Bien, c'est donc là-dessus qu'on va se quitter. Que dire sur ce jeu? Ah, il est assez vulgaire, je le conçois. Mais il peut être intéressant, je pense qu'il y a encore pas mal de références cachées. Je rappelle qu'il est disponible sur RumStation, donc vous téléchargez RumStation, c'est totalement gratuit, ça prend 5-10 minutes. Vous le téléchargez, Pokémon Uncensored Edition, vous y jouez, vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Donc n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager aussi pour faire découvrir ce petit jeu assez drôle, c'est pour ma foi. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'aller regarder les autres vidéos. Bon jeu, et à la prochaine.